Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc allez, c'est parti. Et bien sûr, on se retrouve comme chaque fin de mois, même s'il reste une petite semaine, on se retrouve une semaine en avance bien sûr pour notre Hall de Mars. Et il va être très chargé ce Hall de Mars. Oui, on a contrairement à février, là oui. On a pas mal craqué. Ouais, on s'est rattrapé là. Ouais, on a oublié nos bonnes résolutions. Le Hall arrive ce vendredi 22 mars, tout simplement parce que la semaine prochaine, vous aurez le Hall de la saison Marvel. Voilà, la qui vidéo commence. De la saison Marvel. Ouais, la vidéo de la saison Marvel. Ouais, voilà. Donc voilà. Donc sans plus tarder, c'est parti, on commence ce Hall. Et on va commencer ce haul par des vêtements. Voilà, on a craqué sur deux suites. Ouais. Elodie, vous avez déjà vu son suite dans la dernière vidéo sur l'actu Disney. Donc, hop, sans plus tarder. Voilà. Il vient de chez... Plunger. Donc, c'est le petit suite, je sais pas si peut-être que vous reconnaissez, c'est au début de Dumbo. Voilà, c'est la collection de Dumbo. Ouais, j'aime beaucoup. Nouvelle collection de Dumbo. Voilà. Et moi, j'ai craqué sur un suite à Disney Store. Ouais. Voilà, c'est rare quand je craque sur un suite à Disney Store. Ouais, c'est vrai que c'est rare. Et bien sûr, c'est le suite Pizza Planet. Pizza Planet. Il est beau celui-là. Il est très très beau. Il est vraiment trop beau ce suite Pizza Planet. J'ai hâte de le porter. Ouais, c'est vrai qu'il est très très beau. Rouge, ça change en plus. Voilà. Ouais. Donc voilà pour les petits vêtements de ce haut. Parti avec un livre maintenant, voilà un seul livre cette fois-ci. Mais il est lourd. Il n'y en a pas beaucoup, mais il est très lourd. Il est lourd. Vous avez sûrement vu passer l'info sur les réseaux. Oui. C'est un livre qui vaut 150 euros, qui est en super solde sur un site internet à 50 euros. Donc franchement, il n'y a pas photo. En plus, vu le contenu, tout, non. Le prix, il est raisonnable, je trouve. Ouais, ouais. Ouais. Et c'est bien sûr le livre de Pierre Lambert. Ouais, Belle au Bois Dormant. Celui de la Belle au Bois Dormant. Il est juste énorme. Ouais. Et je vous promets qu'on dirait pas, mais il est lourd. Ah, il pèse. Hein. Ah, il est lourd. Il est lourd. Très très lourd. Ça glisse. De toute façon, comme d'hab, on vous fait. Oui, parce que là, je peux pas tenir très longtemps. On vous fait un petit close-up de ce livre. Comme ça, vous allez un peu voir comment c'est. Il est vraiment trop beau. Ah, il est super. Le mois dernier, c'était le mois dernier qu'on vous a présenté Pinocchio. Ouais. C'est le même, c'est à peu près le même livre, mais celui-là, c'est une qualité au-dessus. Ouais. Clairement, c'est un très très beau livre de collection, moi, je trouve. C'est vraiment un très très beau livre. Malheureusement, il n'est plus disponible à ce prix-là, à 50 euros. Non, ça y est, c'est bon. Je pense qu'une fois que la foi a été relayée, je pense que tout le monde a dû jeter dessus, je pense. C'est très très bien. Regarde-nous les premiers. Bah, franchement, ce livre, il est très beau. Tout le monde va. Rendez-vous tout de suite en close-up pour le livre. Dans ce hall avec les articles de Disneyland Paris. Et ouais, bien sûr, bah oui, éventuellement, enfin toujours. Toujours. En parlant de Disneyland Paris, oui, entre temps, l'information des passeports annuels a été confirmée. Oui, c'est confirmé, voilà. Bon. Donc voilà, on fera pas de commentaires. Personnellement, nous, on renouvellera en Infinity, quoi qu'il arrive, à la fin de l'année, à l'expiration de notre passeport annuel. Nous, on le fera, c'est sûr. Nous, on le fera, c'est sûr. Augmentation ou pas, parce que voilà, c'est. Nous, on pèse le pour et le contre, et nous, on est pour. Enfin, on est pour les avantages, mais pas pour le prix. Bon, voilà. Il y a plus de pour que de contre, et c'est logique avec ce qui est annoncé par Disneyland Paris. Donc, dans les années en plus à venir et tout. En plus, ouais, voilà. Donc l'augmentation est logique, elle était prévue quoi qu'il arrive. Donc nous, on ne trouve pas ça très scandaleux. Hein, de toute façon, quand on voit les prix des passeports aux États-Unis par exemple, nous on est tranquille à côté. Quoi, nous, on est vraiment avantagés comparé aux États-Unis. Donc honnêtement, on n'a pas à se plaindre à Disneyland Paris. Et nous, oui, quoi qu'il arrive, nous renouvellerons en Infinity à l'expiration de nos passeports annuels qui arrivent à la fin de l'année. Donc voilà, maintenant vous savez tout, maintenant place aux articles de ce hall. Allez. Bon, je commence par... La peluche. Petite peluche. Vous l'avez peut-être dû passer aussi sur Instagram. Peut-être en deuxième compte si vous êtes peut-être abonné. Et dans la vidéo de la semaine dernière. Oui. Voilà, la vidéo de l'actu. Voilà, la petite peluche de Cheshire. Cette collection, je tiens à le dire, je suis hyper, hyper, hyper fan. Et bien sûr, il y a quoi avec cette collection? Il y a aussi les pins de la même collection, ils ont fait des pins. Attention.
oh là, non, on voit pas. Voilà. Ouais. Bon, on va. Ah, c'est bon. Ça c'est fait. Ça c'est fait pour une fois, c'est bien. Voilà. Donc voilà, il y a aussi le pins chez Shire. Après, on a pris d'autres pins pour une fois. Pour une fois, c'est rare. Pins, on en a pas. On en a payé que deux officiellement. Ouais. Donc celui-là, on l'a payé. Voilà, on va le dire. Voilà, celui de Captain Marvel, parce que je vous avoue, j'ai un énorme coup de cœur pour le personnage, le film. Voilà, j'avoue, c'est un de mes Marvel préférés. Bon, je suis hyper fan. Voilà. Foncez au cinéma si vous n'avez pas encore vu. Hein, franchement, allez au cinéma. Non, je suis hyper fan. Vous allez kiffer. Ouais, hyper, hyper fan. Et on a eu au trade. Oui. Le pin de Simba, voilà. Voilà, la Saint-Patrick, je sais pas si c'est un petit échange avec, avec Hugo. Donc voilà, il a une petite chaîne YouTube et il fait des photos aussi sur Instagram. Il fait des vidéos et des photos. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube et de son Instagram en commentaire, donc en barre d'infos plutôt. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça lui ferait super plaisir. Et merci à toi pour ce trade. Je le voulais, tu vois, en plus ça tombait bien. Et très bien, franchement, très très bien. Et puis moi, je vais terminer avec Disneyland Paris par un article d'exception. Très, très, très beau. Magnifique. Magnifique, c'est la statue de Rémi. En fait, c'est la statue qui se trouve au-dessus de la fontaine à la place de Rémi. Et c'est une réplique qui est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Et en plus, pour le prix, honnêtement, avec la réduction passeport, ça vaut c'est cadeau quoi, avec la réduction passeport. Une figurine comme ça, c'est 39 euros avec la réduction passeport annuelle. Donc concrètement, pour une belle figurine comme ça, je trouve que ça vaut. Et sans réduction passeport annuelle, c'est 49 euros. Honnêtement, pour la qualité, ouais, elle est top. Honnêtement, si vous la voulez, vous pouvez, je pense, y aller les yeux fermés. Ouais, elle est belle. Ah voilà, donc voilà pour les articles de Disneyland Paris. On est reparti avec, bien sûr, maintenant, ce qui est devenu nos incontournables. L'inévitable. Et on a craqué notre slip. Hein, là, ce mois-ci, c'était horrible. Dur. Il y a du hors Disney. On va commencer par le hors Disney. Oui. Et il y a beaucoup de Disney. Hein. Mais je pense qu'ils nous voient zioter là. Ils se disent, qu'est-ce qu'il y a là-bas. Ils sont juste là. Donc, on voulait prendre un instant. D'abord, on va commencer avec les hors Disney. Moi, je vais commencer par une Funko Pop Harry Potter. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas depuis Noël, je crois. Ouais, depuis Noël, on a pas eu d'Harry Potter. Ouais, la dernière Harry Potter, c'était Tim et Olive qui me l'ont offerte à Noël. C'était une quasi sans tête. C'est ça. Et là, voilà, on a craqué sur Ginny. Elle est trop belle. En tenue de Quidditch et sur son balai. Elle est super belle. Donc voilà. Si on l'avait pas comme personnage, on l'avait pas encore. Donc non, c'est pas mal. Deuxième Weasley qu'on a, ça y est. Voilà, deuxième Weasley, Voilà, parce qu'on a Ron aussi sur la pièce d'échec qui est vraiment trop beau. Ouais. Et là, voilà, on a craqué sur Ginny. À savoir, on l'a eu à la Fnac. Et à la Fnac en ce moment, il y a une super offre. Si vous achetez deux Funko Pop, vous avez une offerte. En plus, ils ont des nouveautés à la Fnac. Oui, ça, c'est quand même un jour là. Donc allez faire un tour à la Fnac, c'est d'acheter une offerte. Donc vous pourrez peut-être trouver votre bonheur. Voilà. Voilà pour Harry Potter. Alors ensuite, c'est la série qu'on adore, qu'on attend avec impatience, qu'on en a marre d'attendre. C'est Game of Thrones, rendez-vous le 14 avril. Alors je vous montre déjà le trône. Le trône. Et qui avons-nous choisi pour le moment? Ça c'est mon... Alors, celle qu'on a choisie aujourd'hui, qu'on a pris, là, qu'on a là, c'est mon avis perso. Voilà. Moi, ce serait Jon Snow. Jean-Neige. Moi, c'est celui-là, Jean-Neige. C'est celui que j'aimerais beaucoup voir sur le trône, personnellement. Voilà, avec son petit chinois, j'avoue, je kiffe, ça me fait rire. Ça, c'est vraiment une super idée d'avoir fait ça. En plus, son malin, ils ont fait vraiment tous les personnages. Donc, on sait pas. Et on a eu de la chance de les avoir vus en vrai à Zing, Val d'Europe. Et franchement, ils sont tous top. Ouais, donc moi j'ai commencé par Jean-Neige. Je pense que le prochain, on prendra soit Daenerys, soit le Marcheur Blanc. Ce sera un des deux qu'on va prendre. Comme ça, avec un peu de chance, ce sera un des trois. Dans l'optique, j'espère pas quand même, c'est le Marcheur Blanc quand même. On n'espère pas. Moi j'aime bien la pop du Marcheur Blanc parce qu'elle est esthétiquement elle est magnifique, mais j'espère pas que ce soit le Marcheur Blanc non plus qui soit sur le trône. Dites-nous en commentaire si vous aussi vous regardez Game of Thrones et qui vous voulez voir. Tout sauf Cersei. Sur le trône, Tout sauf Cersei. De toute façon, on verra bien. Mais moi j'espère que c'est lui. On a déjà craqué sur une et je pense qu'il y en a, quelques autres qui vont suivre sur le trône, clairement. Oui, je pense. Parce que c'est magnifique. Donc voilà pour les hors Disney, maintenant on se retrouve pour les Disney. Et voilà, maintenant on va terminer avec des articles 100% Disney, voilà que des Funko Pop Disney. Je vais commencer avec une. J'ai la chance de trouver à Micromania, elle venait tout juste de sortir et c'est Woody sur RC.
Racer, elle voilà. Est belle, cette pop. On avait déjà Buzz dans la camionnette Pizza Planet et là on a Woody sur RC Racer. Vraiment trop belle. Elle est très bien faite, franchement, génial. Détails sont juste top. Ouais, franchement, ouais, elle est vraiment juste ouf ici. Ça, c'est une pop qu'il faudrait pour Rodrigo, comme il adore Toy Story. Ouais. Ce serait pour lui, ça. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Rodrigo et Anaïs. Comment on les tente, ouais, c'est pas bien. On est le dia. Voilà, Rodrigo et Anaïs, allez voir leur chaîne. C'est The Dreamers, de toute façon, vous avez les liens dans la description de la vidéo. Hop. Voilà. Hop. Je continue moi ? Vas-y. Allez, hop. Bon, bah, bien évidemment, voilà, hein, ça coule de source, un café de Marvel, hein, voilà. Super. J'avoue, je suis hyper fan. Film top, hein, encore une fois. Allez-y. J'adore. Voilà, voilà. Ouais. Vas-y, continue. Je continue ? Ouais. Je continue par lui ? Hop. Ah, Mufasa. Il est magnifique. Il est gros, regarde. C'est une grosse pop. Il est vraiment très beau, Mufasa. Il va remourir certainement une deuxième fois bientôt. Mais c'est bien, c'est dans le Jean Reno qui reprend la voix. Mais Jean Reno reprend la voix du. C'est top, c'est trop bien. Ça, c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment génial top. Ça. Ouais. Je continue encore moi ? Oui. Allez, hop. Super pop, franchement. J'adore. Ah, moi aussi, j'adore. C'est un de mes Disney préférés en plus, alors je suis trop contente. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on peut pas le rencontrer comme ça dans les parcs. Personnage. Surtout pour Halloween, il pourrait le faire. Ouais, il pourrait. Ouais. Donc ça demande pas beaucoup plus de trucs. Non, surtout qu'il était sur le show en plus, déjà, la soirée d'Halloween en plus. Ouais. Bon, ben, bref. Hop. C'est Facilier, mais avec son masque. Ah, j'adore. Moi, je kifferais le voir avec son masque, Facilier. Grave. Parce qu'on a déjà rencontré Facilier, mais il n'avait pas le masque. Non, donc avec le masque, ça serait pas mal. Ce serait juste. J'adore. J'adore ce Disney en plus. Et bien sûr, comme vous savez, j'ai commencé la collection des Funko Pop Mickey. Oui. Vous avez vu certainement dans le Room Tour, ou si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir le Room Tour. Et j'en ai craqué encore sur deux. Mmh. Celle-là, c'est une pop de convention, une ancienne pop. Elle est trop mignonne. Je suis tombé dessus dans un Disney Store, donc je l'ai prise sur les champs. Ouais. Elle est trop mignonne, cette pop. Et bien sûr, Mickey Gamer. Ah oui, bien évidemment, leur falaise. Voilà. Si vous savez où je peux me procurer Mini hors eBay. Oui, parce que eBay, c'est un peu exubérant les prix. Non, voilà. Ça, hors eBay, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Il la cherche désespérément. Je la cherche désespérément, donc ça me ferait super plaisir si vous savez où la trouver. Je crois qu'elle est belle aussi en mini. Hors eBay, franchement, ça m'aiderait beaucoup. Donc merci à tous ceux qui me répondront ou pas. Donc voilà, pour les pop de Mickey. Donc voilà, pour les Funko Pop. Maintenant terminé, on vous l'a dit, hein, ce hall était chargé quand même pour il un était mois de plus long. Oui. On a rattrapé un peu le temps perdu en quelque sorte. C'est ça. Ben voilà, bien sûr, tous les articles qui sont disponibles sur internet, je vous mets les liens comme d'habitude en bas, dans la description de la vidéo. Comme ça, vous pouvez tout retrouver facilement. C'est beaucoup plus simple si vous voulez un truc comme ça, bim, vous cliquez. Juste à cliquer dessus et c'est bon, c'est réglé. Et vous l'avez. Si vous avez des questions ou autres, bien sûr, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire. On y répondra comme d'habitude avec grand plaisir. Ouais. Venez aussi nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, pour toute l'actualité Disney, pour du partage Disney 100% sur Sparkle Travelers. Voilà, Travelers. Oh là là, il a du mal. Hein. Ouais, oh là là. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça, c'est du hors Disney, du voyage. Ouais. Il y a plein de trucs. Donc venez nous rejoindre, n'hésitez pas. Ça nous ferait super plaisir. Venez nombreux. Bien sûr, tous les mardis, venez nous rejoindre aussi sur notre blog. À 20h, tous les mardis, un nouvel article. Mm. Et vous retrouverez, je pense, bientôt sur l'article, sur le livre de La Belle au Bois dormant. Je ne sais pas quand. De Pierre Lambert, mais il va arriver. J'en sais rien, mais dans les mois à venir, c'est sûr. Tout dépend de ce qu'on a prévu. Donc voilà, alors n'hésitez pas à aller sur le blog, bien sûr. On met un article en ligne, un nouvel article en ligne tous les mardis. Mardi soir. Voilà, à 20h. Mmh. Bon, aux environs de 20h en général, le temps que ça se publie et tout, voilà. De 20h, voilà. Mmh. Si ce n'est pas encore le cas, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour louper aucune vidéo. Voilà, chaque vendredi. Petite notification et tout, voilà. Chaque vendredi à 17h, mais c'est plus cool quand vous avez une notification comme ça. On appuie sur la notification, la vidéo se lance et bim. Et bien sûr, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à laisser un gros pouce bleu. Ouais, ça nous ferait super plaisir. Bah voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Nous, on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.